chère diaspora, bienvenue au parc d'activités économiques de Zarzis. Aslama wa marhaba bikum fi fada al-anshita al-iqtisadiya bijarjis. Le parc d'activités économiques de Zarzis a été créé depuis l'année 1993. Le parc s'étale sur une superficie de 60 hectares extensible sur 717 hectares. Les sociétés implantées au parc d'activités économiques de Zarzis bénéficient de plusieurs avantages fiscaux. Notre équipe assure un accompagnement personnalisé et durable. Le parc est connu par la bonne qualité de ses prestations. Il fournit des offres adaptées à vos besoins. Chers diaspora, Aouled ou Bnet Bledi, imaginez que vous disposez de tous ces avantages, tout en vivant entouré de ses proches. Va être pour vous une opportunité inouïe. La région du Sud, ainsi que Zarzis Park, vous offre une qualité de vie, une diversification des entreprises, mais aussi, dans le domaine de l'entrepreneuriat, des services et des qualités importantes. Gectis Agro est une société spécialisée dans le conditionnement et l'exportation des dattes et dérivés. Notre partenariat avec le parc d'activités économiques de Zarzis a démarré en 2018. Des réunions ont été planifiées chaque semaine afin de définir avec le personnel technique du parc le cahier de charges selon les référentiels techniques et qualité imposés par nos clients, l'IFS version 7 et BRC 8. Après 9 mois de travaux, nous avons démarré notre activité dans un entrepôt bien adapté aux normes internationales pour le secteur agroalimentaire. Investir au parc économique de Zarzis, pour vous, c'est des avantages fiscaux, c'est des infrastructures up-to-date, c'est des ressources hautement qualifiées et en plus un accompagnement personnalisé. Mais grâce à vous et grâce à vos investissements, vous pourriez capitaliser sur toutes les fonctionnalités liées à l'entrepreneuriat. J'encourage tout le monde à venir investir, notre diaspora, à venir investir ici. Le PAIS vise à promouvoir l'investissement au sud-est du pays et à participer à la création de l'emploi dans la région. De même, à contribuer au développement des exportations tunisiennes.